et bonsoir. Il y a un an, à peu près dans ce même studio, nous recevions Bernard-Marie Koltès, jeune auteur dramatique dont le talent exceptionnel était admiré de tous. Quelques mois plus tôt, Maria Cazares avait joué l'une de ses pièces, Key West, et il nous avait confié à quel point cette interprétation avait été importante pour lui. À ce nom de Maria Cazares, il y avait eu, oui, une telle lumière dans son regard. Bernard-Marie Koltès est mort sans que j'aie pu le revoir, et je pense très souvent à lui. Peut-être parce qu'il aimait le Portugal, si proche de la Galice, et que ce sont des pays que j'aimerais connaître, l'un et l'autre, baignés par le même océan. Peut-être parce que nous avions le même âge, et que je ne m'étais pas senti intimidé par lui, malgré tout ce qu'il avait déjà fait. Peut-être aussi parce qu'on ne croise pas souvent des gens avec cette lumière dans le regard, quand on désigne un nom qui est un repère essentiel que l'on partage. Et aujourd'hui, alors que Maria Cazares joue La vie que je t'ai donnée de Luigi Pirandello au Théâtre Héberto, dans une mise en scène de Michel Dumoulin, j'y pense d'autant plus qu'il y a cette réplique dans la pièce, dite précisément par Maria Cazares. Je dois dire que moi, je ne suis plus vivante pour lui, puisqu'il ne peut plus penser à moi. Et vous, au contraire, vous voulez dire qu'il n'est plus vivant pour moi? Mais bien sûr que si, il est vivant pour moi, vivant de toute la vie que je lui ai donnée, la mienne et non pas la sienne, celle que je ne connais pas. Voilà. Maria Cazares, comme vous le pouvez le penser, je suis très très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Et puisqu'on parlait de Bernard-Marie Koltès et de cette réplique du rôle, si nous parlions tout de suite de votre rôle. C'est un étrange personnage, mais en même temps très proche de nous tous. C'est un personnage vraiment qui appartient à l'univers qu'on connaît depuis Pirandello. Ces genres d'êtres qui trouvent tout d'un coup dans la vie ou dans le parcours comme ça de l'existence, il trouve une vérité, si vous voulez, une vérité pour lui. Et à partir de cette vérité, il y a toute une logique implacable que le personnage se fait jusqu'au bout et qui l'amène à faire croire aux autres, peut-être quelquefois, qu'il n'est pas tout à fait normal. Mais en fin de compte, la logique est telle que les autres finissent par être fascinés et ils entrent dans l'univers du personnage parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que pourquoi pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est toujours la même histoire. Où est le rêve? Où est la réalité? Est-ce que j'existe si tu n'existais pas? Est-ce que tu existes si je n'existe pas? Les regards, les miroirs, une sorte de kaléidoscope incroyable où les images se multiplient comme ça à l'infini et qui, pour chaque spectateur et pour nous-mêmes, les comédiens, font... que nous présente des images comme ça, qui nous évoquent à chacun des choses peut-être différentes, mais fortes, souvent très très fortes. En l'occurrence, c'est une mère qui refuse l'idée de la mort de son fils. Ce n'est pas en fait c'est ça. Elle refuse en fin de compte sa propre mort. Mais voilà, c'est une mère qui a été séparée de son fils. Son fils est parti et pendant 7 ans, elle ne l'a plus vu. Il est parti auprès d'une femme, ou il est resté près d'une femme qu'il aime, et il ne l'a plus revu. Pendant ces 7 ans, elle a vraiment souffert, et elle a découvert que le fait qu'il soit loin ne l'empêchait pas, elle, de le faire vivre. Et ne l'empêchait pas, elle aussi, de penser que lui, en pensant à elle parfois, la faisait vivre aussi elle. Il revient après 7 ans, c'est ça le coup de génie de Pirandello. Au début de la pièce, ça commence par le retour du fils qu'on ne voit pas et qui vient d'arriver 3 jours avant ou à peu près et qui meurt. Il est arrivé extrêmement changé parce qu'il était déjà très malade et qui meurt. Et alors toute la pièce, et c'est de là où part la logique de Don Anna, c'est-à-dire c'est jusqu'à maintenant, j'ai pu
vraiment lui donner ma vie entièrement. Et pourquoi ne pourrais-je pas continuer à la lui donner? Puisque quand il est revenu, je ne l'ai pas reconnu. C'était un autre. Alors il y a aussi le temps, le thème du temps, du changement, de ce que nous changeons, est-ce que nous sommes les mêmes, et etc. En fait, ça n'a fini plus. C'est la troisième pièce de Pirandello que vous jouez. Oui. Moi, je connais mal Pirandello. Si on devait expliquer à quelqu'un comme moi ou à certains téléspectateurs la force de Pirandello, la force poétique de Pirandello, qu'est-ce qu'on dirait? C'est-à-dire que moi, il y a une force de l'époque que, dans toutes les pièces de Pirandello, il y a un côté mélodramatique. Bon, c'est peut-être l'époque, mais il y a aussi le côté vivant du mélo, c'est-à-dire le côté affectif et mélodramatique, mélangé tout d'un coup, enfin, ou opposé, si vous voulez, à tout un travail cérébral des personnages qui s'expliquent. Alors, ça donne lieu à une magie invraisemblable qui fait que les gens essaient de suivent, en fin de compte, parce que c'est très très clair, et ils ne savent plus où ils en sont. Avec Pirandello, on se perd en lui, mais c'est peut-être pour se retrouver. Alors, dans cette mémoire des émotions, moi, je vous retrouve très bien. Vous dites, je n'ai pas de mémoire, et pourtant, dans votre livre, qui est un livre absolument formidable, Résidente privilégiée, que j'ai regardé à nouveau, sur lequel on va revenir d'ailleurs à plusieurs reprises, en espérant bien que l'autre viendra aussi un jour, parce que vous avez dit que vous allez en écrire un autre, et ça, on l'attend. Il y a sans cesse des parcours de la mémoire des émotions. Il y a des gens que vous retrouvez 40 ans plus tard et tout d'un coup le passé est aboli. C'est comme ça que fonctionne votre mémoire. Vous oubliez la chronologie mais vous ne vous souvenez pas des émotions. Non, comme je ne me souviens jamais de l'anecdote d'une chose, ma mémoire est une sorte de sédiment qui reste, par exemple pour les pièces que je joue, j'oublie très vite. Une fois que j'ai fini de les jouer, je serais incapable de redire le texte. Mais il reste un sédiment intérieur, comme une espèce de nourriture, qui peut-être me sert plus tard, sans que je m'en rende compte, ou même à m'en rendre compte, parfois, comme instrument de travail, comme matière de création, si toutefois on peut appeler création l'interprétation. Hein. Bon, il y a cette mémoire-là, et puis il y a la mémoire, ma mémoire-là, bien sûr que j'en ai une. Si j'ai écrit ce livre, c'est surtout parce que tout d'un coup, à cause de mon retour en Espagne, d'où j'étais partie depuis 40 ans, il y a une espèce de bouleversement, et comme je ne suis pas très expansive dans mes émotions ni dans mes affections, tout ça a fait une sorte de procession intérieure qui m'a amené d'ailleurs à avoir une hépatite virale, bon, ça d'un côté, mais de l'autre côté, il y a eu le fait que tout d'un coup, une chose qu'on m'avait proposée depuis un an et demi, je l'ai acceptée, c'est-à-dire d'écrire un livre, non pas pour écrire des mémoires, parce que je n'ai pas la mémoire objective, si vous voulez, pas du tout. Et puis en plus, il y a des pans de ma vie qui tombent et d'autres qui sont peut-être, il y a des choses qui sont quelquefois peut-être inventé ou changé, mais quelle mémoire ne change pas les choses? Bon, on revient à Pirandello. Absolument. Bon, mais j'ai essayé de faire, tout d'un coup, c'est à travers des crises successives dans l'existence, où on a eu pas mal, à travers des bouleversements successifs, voir un tout petit peu où pouvait être ma fidélité, mais pas la fidélité que je choisis, moi, par la tête, mais la fidélité qui me choisit, moi. C'est-à-dire, en deux mots, si tout ça avait un sens, et je cherchais plus ou moins s'il y avait un destin quelque part. Évidemment, je savais très bien que je ne pourrais pas y arriver, que je ne sais pas si on arrive, mais si on y arrive à savoir quelque chose, peut-être que c'est au moment où on nous dit qu'à la mort, on revoit tout, et que peut-être là, ça a un sens ou pas, j'en sais rien. Alors, on va reparler de tout ça, mais puisqu'on parle justement de cette fidélité et de ces émotions, moi, je voudrais qu'on retrouve le moment où le public de cinéma en France vous a découverte, ce moment de la première émotion, d'une émotion qui a duré ensuite pendant des décennies, celle des Enfants du Paradis. On le retrouve tout de suite. On la retrouve tout de suite. Qu'est-ce que tu as, Baptiste? Rien, pourquoi? Si tu as quelque chose,
tu es beau. Tu le sais bien que tu es beau, puisque je t'aime. Mais aujourd'hui, tu es plus beau que tous les autres jours. Tu brilles. Qu'est-ce que c'est que cette fleur? Une fleur? Une fleur. C'est parce que tu vas jouer que tu as l'air si heureux. Peut-être. Moi aussi, je suis heureuse. J'ai tellement confiance en toi. Oh, Baptiste, si tu voulais, nous pourrions être si heureux ensemble. Mais tu ne m'aimes pas. Oh, je sais. Tu m'aimes bien. Je me moque, moi, que tu m'aimes bien. Ce que je veux, c'est que tu m'aimes. Je suis pourtant simple d'aimer. Alors donc un extrait des Enfants du Paradis. Je rappelle que les Enfants du Paradis ont été réédités en deux parties aux éditions Montparnasse, qui est une maison de vidéo qui est formidable puisqu'elle reprend tous les grands classiques du cinéma français. Il est très connu et puis quelques-uns qui le sont moins. Alors je voudrais me reporter à une première partie, c'est une émission un peu sérieuse aujourd'hui, Maria Cazares, excusez-moi, mais je ne peux pas. Le livre parle de choses tellement graves qu'on ne peut pas s'empêcher, quand on est avec vous, d'y revenir sans cesse. La première page. J'ai préféré prendre le train. Je supportais mal l'idée du saut brutal que l'avion nous fait faire dans l'espace. J'avais besoin d'un plein temps pour parcourir mon espace. Je voulais avancer lentement, comme j'aimerais mourir lentement, en état de veille, pour ne pas être frustré de ma mort. Ça, c'est une idée qui revient souvent. Chez vous, l'idée de ne pas être frustré ni de sa vie ni de sa mort, et cette idée que la mort a un sens aussi. C'est-à-dire que je ne vois pas la différence. Je ne vois pas où s'arrête la vie et où commence la mort. Je crois que je n'imagine pas une vie sans mort, puisque je ne sais pas ce qu'on deviendrait si on vivait éternellement. Et puis. Je pense que la mort jusqu'au moment, je ne sais pas quel moment, le moment où on passe la porte étroite, quoi. Alors, c'est quand même la vie encore. Et j'ai toujours eu tellement le goût de la vie que ça va jusque-là, bien entendu. Je ne m'arrête pas avant. S'il y a une crainte chez moi, ou une chose comme ça, c'est la souffrance physique. Oui, alors, il y a un refus, par contre, très, 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 très net de la souffrance. Il y a une page absolument formidable où vous êtes avec votre mère dans une voiture pendant la guerre civile et vous apercevez que l'homme qui vous conduit a sans doute torturé. Et, oui. et vous en éprouvez un dégoût complètement physique. Enfin, il y a un refus total. Il n'y a aucune morbidité en vous, par contre. La torture est une chose que je ne peux pas supporter, même dans la science-fiction. Quand je regarde un film et qu'il y a une scène de torture, je ferme les yeux ou je m'en vais. Je ne peux pas. Tout ce qui est viol physique, ou alors là, dans la torture aussi, quand ce n'est pas physique, ça revient au même, mais qui viole et qui abîme et qui avilit l'homme, c'est une chose qui me met dans des états incroyables. Pas la cruauté. La cruauté, bon, je l'accepte. La cruauté de la vie. On vit dans une sorte de forêt vierge, quand même, malgré tout. Et j'accepte la cruauté, même une certaine haine, si on veut. Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai peut-être tort. Mais j'accepte tout ça. Mais la torture, c'est une chose que je ne peux pas. C'est une chose qui, déjà toute petite. Quand j'étais déjà enfant et que je voyais d'autres enfants malmenés ou des bêtes, même des petites mouches ou des choses comme ça, je n'ai jamais pu supporter. Alors quand on me dit qu'on a tout ça en nous, ben ça doit être très, très caché. Hein, parce que c'est très caché, hein. Ça doit être très caché, ou alors peut-être que c'est si profond et si fort que c'est pour ça que j'ai ça en horreur. Je n'en sais rien, mais je ne crois pas quand même. Qu'est-ce qu'il y a de galicien en vous ? Parce qu'il y a une chose qui est très très frappante, il y a des pages sur la Galice qui sont merveilleuses dans le livre. Franco, il était galicien aussi ? Oui, Franco était galicien, il était très voisin de la Corogne, il était du Ferrol. Mais enfin, vous savez, en Galice, il y a plein de gens qui ne se ressemblent pas. Je ne vais pas dire d'ailleurs qu'on ne se ressemble pas, je ne sais pas, mais je ne crois pas d'ailleurs. Je ne crois pas non plus. Non, la Galice est un pays...
C'est un petit peu, vous savez, la Bretagne espagnole. C'est-à-dire, c'est un pays celte où les enfants sont blonds, avec des yeux bleus souvent, ou alors châtains, ou foncés, les cheveux sombres avec des yeux verts, le menton à galoche, le nez, enfin. Et alors, il y a toutes les légendes, le goût du mystère, le goût de la légende, le goût de faire peur, de se faire peur, qu'on retrouve aussi dans les légendes bretonnes et tout ça. On dit que les Galiciens sont méfiants, mais alors on sent aucune méfiance en vous. On sent beaucoup de choses de la Galice en vous, mais pas du tout la méfiance. Non, je ne crois pas que je sois méfiante du tout. Je suis souvent lucide. Et c'est venu avec le temps, parce qu'avant j'avais tellement envie qu'on m'aime que j'aimais tout le monde. Bon, maintenant, bon, il n'y a plus de distance. Alors là, il ne reste que la lucidité, mais je ne suis pas méfiante. Je ne suis pas pingre non plus, parce qu'on dit que les Galiciens sont avares. Or, moi, je n'ai pas jamais eu ça. Ça, ce sont leurs défauts. Mais alors, parmi leurs qualités, on retrouve en vous énormément de qualités, notamment cette âme tellement riche, tellement peuplée d'histoires, de contes, d'aventures, d'émotions. Alors, tout ça, alors là, vous êtes une vraie Galicienne sur ce plan-là. Oui, c'est un pays de poètes, un pays des gens qui voyagent, mais ça, c'est peut-être parce que c'est un pays pauvre. Et qui partent, qui reviennent. Qui font fortune en général, d'ailleurs. Qui font fortune, qui reviennent. Avant, ils revenaient pour montrer qu'ils avaient fait fortune avec des dents d'or. Vous savez, il y avait des gens qui partaient, ils revenaient avec pas toute la dentition, mais presque. Plus ils avaient des dents d'or, en or, plus ils avaient fait fortune et ils le montraient. Mais enfin, c'est un pays secret. Très ouvert, malgré la méfiance, parce que, par exemple, je ne sais pas comment elle est, mais on m'en a parlé, des gens qui sont venus, enfin des amis, qui sont allés à la Corogne. C'est une ville très ouverte aux étrangers, que ce soit des Espagnols ou que ce soit des étrangers en dehors des Pyrénées, mais est très ouverte et très libre. Mais ça, je crois que comme c'est une ville libre pour les us et coutumes, comme on dit, hein. Je sais que, par exemple, je donne un exemple, ma grand-mère maternelle était une cigarière, hein. Elle n'était pas mariée. Elle a eu 3 enfants d'un homme, du même homme, qui lui était marié, bon, et qui pour des raisons X, je ne sais pas, il avait cette femme. Elle a eu 3 enfants qu'elle a élevés, et toute la ville la respectait. Ça n'aurait pas pu se passer à cette époque-là, à Avila, par exemple. Ou même en France. C'est pas possible. Alors, il y a un autre aspect aussi, quelque chose vers quoi vous revenez obstinément, qui est l'océan. Cet océan qui rentre dans la Galice, puisqu'il y a des fjords, enfin des rias, on appelle ça. Et la mer est toujours là. Hein, et ce n'est pas la Méditerranée, c'est l'océan. Non, la Méditerranée, je trouve que c'est une superbe femme, extraordinaire, très très belle, trop belle pour moi. Parce que quand je suis allée, que je suis restée, cette beauté de tous les matins, immuable, finissait par... l'angoisse est trop fort, mais par m'inquiéter. L'océan, pour moi, c'est le père. C'est la chose forte comme ça qui arrive, qui bouge, qui le climat de l'océan, c'est un climat aussi qui change sans arrêt. Et j'ai besoin, moi, sans arrêt des changements. Et l'océan, moi, j'ai l'impression quand même que je suis vraiment, alors là, une fille de l'océan. Il y a très longtemps que je ne l'ai pas vue. Et là, je ne sais pas comment je fais. Alors l'océan, et puis là il y a encore une dernière chose sur la Galice, c'est très la gare des Michards, vous savez moi les émissions, c'est-à-dire la vie, l'œuvre, ça m'intéresse beaucoup de savoir toujours. Il y a une autre chose qui est importante, en Galice il y a Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est un lieu comme ça avec une force mystique très très étonnante. Or, vous ne vous réclamez pas véritablement d'un héritage catholique, mais par contre, vous réclamez beaucoup le rituel et le sacré. Oui, je crois que j'en ai besoin, oui. J'en ai besoin, en tout cas, j'ai besoin de cela pour... je sais pas, pour essayer d'élever les choses. Bon, mais
La Galice, vous savez, c'est pas non plus... Enfin, c'est un pays catholique, comme toute l'Espagne, mais c'est terriblement païen. Hein. Terriblement. Saint-Jacques de Compostelle, on se demande très bien pourquoi il est là. C'est le patron de l'Espagne. Bon, la ville de Saint-Jacques de Compostelle, c'est une merveille. Mais je dois dire que la Galice ressemble plus, si vous voulez, en elle-même, à Valle Inclán, qui est vraiment, si on le lit, on voit absolument toute cette espèce de monde grouillant, picaresque, mais picaresque plus comme en Irlande que comme à Madrid, vous comprenez, beaucoup plus. Et puis, comme ça, où il y a le catholicisme mêlé au reste, à des seigneurs qui vraiment font tout, des choses horribles, mais avec une sorte de joie de vivre, et aidé par le clergé, enfin les gens du clergé, tout ça. Il y a par exemple, en Galice, il y avait un curé qui voulait, dans un tout petit village, qui voulait dire à ses paroissiens à quel point la Vierge était extraordinaire, que c'était vraiment la personne. Alors, comme en Galice, on aime beaucoup le cochon, voilà, c'est la chose qu'on mange le plus en Galice, il lui a dit, mes enfants, la Vierge, c'est comme le porc, il n'y a rien à en rejeter. Oui, alors justement, cet aspect comme ça, païen, cet aspect de contact permanent avec la nature, mais la nature sacralisée, enfin la nature comme une divinité. Est-ce que ça explique, par exemple, les titres que vous avez donnés dans votre livre où vous revendiquez Pluton, où vous revendiquez Saturne, vous parlez des avatars qui sont des transformations oui. Mythologiques. Tout ça se retrouve en vous. Oui, et ça, enfin, les astres et les planètes et nos maîtres, comme on dit, ça c'est parce qu'à un moment de ma vie où j'ai eu 3 mois de vacances, c'est très rare pour moi, je suis tombée sur une carte du ciel et j'ai trouvé que c'était extraordinaire cette carte du ciel comme ça ronde avec des figures géométriques et des petites images comme ça. Et j'ai commencé à lire sur l'astrologie. Et pendant 3 mois, je n'ai pas arrêté. Je me levais à 10h du matin. Jusqu'à 2h du matin, je faisais de l'astrologie. En fait, je faisais des cartes du ciel. Et j'ai trouvé que d'abord, c'était un jeu extraordinaire. Parce qu'on fait une chose comme ça, avec des petites, avec tout ça. Et puis, il y a un portrait qui sort. Et un portrait pas si lointain que ça. En gros, parce que je ne l'ai jamais fait profondément. Mais en gros, un portrait qui est assez extraordinaire. Alors, j'ai trouvé ça divin comme jeu, mais en plus je crois beaucoup que enfin tout ça a un rapport, hein. On dit toujours que la pleine lune, il y a des gens qui supportent pas la pleine lune, bon, mais le reste est pareil, quand il fait mauvais, on est, enfin selon le temps et tout, je crois qu'il y a quand même un rapport entre tout et que nous sommes ou victimes ou le contraire de ce qui se passe dans le ciel autour et même peut-être au centre de la terre, j'en sais rien. Je propose qu'on retrouve cette force de Maria Cazares, telle que vous nous l'avez fait ressentir à travers ces premières minutes de l'entretien d'aujourd'hui, en voyant un extrait de la pièce de Pirandello, La vie que je t'ai donnée. Assieds-toi. Assieds-toi près de moi. Ma fille. Laisse-moi t'appeler ma fille. Oui. Lucia. Oui. Ma petite fille. Oui, oui. Je sens que c'est mieux ainsi. Qu'il a mieux valu que ce soit vous que je le trouve d'abord en arrivant. Ma toute belle. Je vois. C'est tout au début qu'il aurait dû me donner cette joie d'avoir une fille comme toi. Telle que tu es. J'ai cassé ma vie en 2 mois. Et tu en portes une autre en toi. Et mes enfants là-bas. Je suis venue jusqu'ici avec cette vie qui n'est encore rien, mais qui déjà prend toute la place. La vie. Alors, Maria Cazares, j'étais très frappée. Vous n'aimez pas vous regarder? Non, pas du tout. Non, non, non. C'est pour ça que j'aime bien, j'aime beaucoup le théâtre et je n'aime pas. Enfin, pas tellement le cinéma. Enfin, de toute manière, on peut ne pas se regarder au cinéma, bien sûr. Mais je n'aime pas me regarder, non.
Du tout. Alors, et même pas m'entendre. Alors, vous allez souffrir un peu, je crains, pendant cette émission, parce qu'il y a d'autres extraits qui vont venir. Enfin, on se bouchera les oreilles ou on fera beaucoup de bruit pendant qu'ils passeront. Alors, pour essayer de terminer, on ne peut pas terminer, mais pour essayer d'apporter une petite touche encore à tout ce qu'on vient de dire, Carlos Fuentes a dit de vous que vous étiez tellurique. Et ça, je trouve que c'est une définition qui me paraît très juste. Et je la prends aussi pour un compliment. Car je trouve qu'on ne rencontre pas assez de gens telluriques. Je dois dire que même, c'est ça qui m'intéresse, moi, chez les gens. C'est ce côté archaïque, et je le prends aussi comme un compliment. Oui. Au-delà de Freud, de Marx, de toutes les analyses qu'on peut faire, il y a tout un aspect des caractères telluriques ou archaïques qui est passionnant et qui mérite qu'on s'y attache. Vous ne croyez pas ? Je crois que je dois... Certainement, je dois cela d'abord à la Galice, n'est-ce pas? Oui, et à la manière dont j'étais élevée pendant l'enfance, c'est-à-dire près de la terre, parce qu'on avait tellement peur que je sois malade, que je passais 6 mois à la campagne, à la mer, en me baignant pendant 6 mois, en grimpant aux arbres, on ne voulait rien faire, je voulais apprendre du piano. Non, ce n'était pas assez sain pour moi. Bon, et alors, et puis, la manière dont étaient mon père et ma mère, avec lesquels je me suis extraordinairement bien entendu, c'est-à-dire que c'est allé au-delà, que je les aimais vraiment beaucoup et que je les admirais. Alors, il y a un rapport, je crois, direct avec ça, avec le père, la mère, la terre où on est, et la liberté absolument de, si vous voulez, d'ouvrir la bouche et de respirer tout cela. Ça, c'est une chance, quoi. Alors, vos parents étaient des gens absolument extraordinaires, d'après ce qu'on peut lire dans les livres. Votre père était un des fondateurs de la République espagnole, Quiroga. Oui. Votre mère était une femme absolument mais merveilleuse. On voit la manière dont elle s'est adaptée, la pauvre, en France, dont elle ne parlait pas très bien le français, pendant la guerre, comme ça a été difficile. Il y a cette histoire de la cape en zibeline. Enfin, c'était vraiment des gens tout à fait extraordinaire. Quand il y a eu la guerre civile, vous étiez toute jeune, vous étiez aussi la fille d'un des personnages importants de la République. Vous avez dû vivre ça d'une manière terrible, mais comme on le vit durant l'adolescence, on ne se rend pas peut-être complètement compte de la brisure que ça va entraîner dans une vie. C'est-à-dire, pendant le temps où je suis restée, moi, avec ma mère en Espagne, parce que mon père est venu à la fin de la guerre civile, mais nous deux, il nous a envoyés, à cause de moi d'ailleurs, il nous a envoyés plutôt en France pour que je continue, enfin, j'apprenne une langue, que je continue les études, etc. Et pendant le temps où j'étais là-bas, non, je n'ai pas pu la vivre d'une manière, d'adolescente. Je n'ai pas eu d'adolescence. J'ai eu l'enfance et très vite après la maturité. J'ai pas eu d'adolescence, je le regrette pas tellement d'ailleurs. Ou alors si je l'ai eu, ça a été en France et ça a été toute la période de ce que j'appelle du plongeon dans la société, parce que je vivais comme une petite sauvage et que j'étais extrêmement timide et sauvage. En arrivant en France, bon, on a décidé pour moi d'ailleurs de faire du théâtre, et que le théâtre était pour moi comme un plongeon qui m'a d'ailleurs fait cette chose extraordinaire, c'est de me mettre en rapport avec mes contemporains, parce que sinon je serais resté dans un trou, si il me semble, je ne sais pas. Dans une autre langue, de surcroît. Oui, alors il y a eu, là c'est bon, ça, mais en même temps, l'arrivée en France, dès qu'on est arrivé en France avec ma mère, là je l'ai vécu comme... Sinon, comme une adolescente, comme une enfant. C'est-à-dire que pour moi, c'était l'aventure. Et l'aventure, et le combat, et de vouloir vaincre, tout ça. Alors là, c'était, je n'ai pas du tout ressenti l'arrachement de l'exil. Non, non. Vous n'aviez pas le mal d'Espagne ? Non, je l'ai eu après. Beaucoup, bien après. Je l'ai eu dans les années 60. Quand vous avez appris la mort de Franco... Vous avez éclaté en larmes, en sanglots, non pas sans doute parce que vous regrettiez Franco, mais parce que tout d'un coup c'était
tout un pan quand même de votre histoire. Je crois, et puis je crois que c'était une réaction, là, je donne raison à Carlos Fuentes, c'est une réaction tellurique. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est comme si un fleuve partait par mes yeux, ou par ma bouche, ou par un vieux fleuve comme ça, enfin, il est mort, mon père était mort, ma mère était morte, personne n'était là, mais ce n'était pas affectif. C'était comme un, je sais pas, un barrage qui a cédé. Qui a éclaté, exactement. Je vais vous faire souffrir un petit peu, là, maintenant. Je propose qu'on vous retrouve dans Macbeth. D'accord. Que fait-elle? Regardez comme elle se frotte les mains. C'est un geste qui lui est habituel. Je l'ai vu continuer ainsi pendant plus d'un quart d'heure. Il y a encore une tâche. Et elle parle, je vais noter ce qui lui échappe pour mieux fixer mes souvenirs. Va-t'en, tâche d'année. Va-t'en. Un. Deux. Allons. Il est temps d'agir. C'est grâce à la merveilleuse Nicole Stéphane que nous avons eu ce document fantastique, vraiment absolument fantastique, qui est d'Avignon en 1954. Oui. Est-ce que il y a une chose qui est très frappante, c'est la folie vous intéresse et vous n'êtes pas du tout folle. Ce que je veux dire par là, c'est que vous savez très bien la voir, la repérer, la comprendre. Et en vous, tout est aussi très fort, très raisonnable, très, très souffle long. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la folie, à partir du moment où les gens sont complètement fous, ça c'est une autre chose, c'est une chose qui me fascine, qui me pose des interrogations, où je reste comme ça, me disant qu'est-ce que c'est, mais est-ce que qui est fou, et tout ça. Mais ce que je trouve, enfin, plus qu'intéressant, mais c'est peut-être le risque qui m'attire, c'est d'aller jusqu'au bord. Jusqu'au bord où ça va peut-être après plonger après dans le gouffre. Mais aller jusqu'au bord comme j'aime aller jusqu'au bord risqué, quoi. Aller jusqu'au bord pour essayer de dépasser quelque chose, quitte à me casser la figure, ce qui m'est arrivé parfois, bien sûr. Mais j'aime si j'ai, peut-être que si je suis restée au théâtre et que si j'ai fini très vite par aimer le théâtre, c'est que il permet de se dépasser soi-même. Quand, à travers un texte, l'univers d'un poète, et quand le public est avec ce poète et avec nous, il vous donne le génie, ce qu'on appelle le génie. Le génie, c'est le dépassement de soi-même. D'ailleurs, c'est extraordinaire comme au moment où on peut se dépasser, où on sent en scène
qu'on peut tout faire et que tout, les gens, enfin, on accepterait tout, c'est le moment où on ne fait plus rien, on reste là. Parce que c'est le moment juste. Et ce moment-là, c'est moi ce qui me passionne, ce qui m'attire au théâtre. C'est-à-dire, c'est l'endroit où on se perd, on va pour s'y perdre un peu, mais pour se retrouver. Et nous retombons dans Pierre Delon. Voilà. Alors, là, je vous ai écouté, j'avais plein de questions qui me venaient à l'esprit. Parce que dans cette vie, on sent... Dans cette belle vie, je ne sais pas si vous considérez que vous avez une belle vie, mais que moi je considère que vous avez une belle vie. On peut avoir aussi une belle vie pour les autres. On peut aussi avoir une vie que soi-même on trouve peut-être compliquée, mais qui pour les autres fait valeur d'exemple. Donc je tiens à ce terme. Dans cette belle vie, il y a sans cesse justement toujours des enjeux comme ça, très 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 profonds. Et alors ils sont quelquefois exprimés d'une manière gracile et gaie. Très souvent, même d'une manière gaie. Vous riez tout le temps, d'ailleurs. Depuis le début de l'émission, vous riez tout le temps. J'ai ri trop, d'ailleurs. Non, pas du tout. Au contraire, c'est très agréable. Non. Mais cette gaieté, on la retrouve, par exemple, dans la couverture. Une chose, c'est symbolique, une couverture. Dans la couverture de votre livre, Résidente privilégiée. On parlera du titre aussi, parce que rien n'est gratuit. Mais la couverture, on voit ce jeu dessiné, peint par Goya, qui s'appelle le Pelélé. Alors, où quatre jeunes femmes envoient un homme en l'air avec une sorte de tissu comme ça, comme il y a quand dans les incendies les pompiers. Un drap, oui. Oui, un drap, voilà. Oui. Et ça c'est un bon symbole quand même, non? C'est-à-dire que c'est en même temps gai, mais c'est en même temps terrible. Parce que c'est un jeu d'ailleurs, je crois. Ça s'appelle le jeu del Pelele, qui est une espèce de poupée qu'on lance en l'air comme ça, bon. C'est pour s'amuser, pour la société, tout ce qu'on veut, dans la campagne, comme ça. C'est mais gay, ça. N'empêche que c'est quand même assez terrible d'être, par exemple, tout d'un coup, El Pelele. Ça arrive. Alors ça, c'est une chose. Bon, être ou ne pas être El Pelele, ça c'est vraiment une chose qui est très... Bon. Deuxième chose, vous avez dit tout à l'heure, être avec l'auteur... Quand vous parliez du texte de la pièce, oui. vous allez à la rencontre de l'auteur dans une pièce. Vous le cherchez. C'est la chose qui m'intéresse le plus. C'est à travers le monde, l'univers, le paysage qu'il me propose. C'est pour ça que j'adore les répétitions, la période des répétitions. C'est d'aller vers lui, à sa recherche, quoi. À la recherche du moment où peut-être il a été... Il a créé la chose. Et là, c'est pas ça. Je ne peux pas travailler autrement. Sinon, le théâtre ne m'intéresserait peut-être pas, s'il n'y avait pas ça. Et puis alors, il y a aussi, ça c'est une très belle expression aussi, ce dernier acteur, le public. Oui. C'est à mon avis, c'est le dernier agissant. Je parle d'acteur en tant qu'agissant. Bon. Il arrive parfois qu'un public soit un public qui s'intéresse, comme on dit, et qui soit froid, et puis comme ça, d'ailleurs, parfois aussi, c'est qu'on lui montre des choses où on ne participe pas. Alors là, il devient bon public, spectateur, et de l'autre côté, il y a les comédiens. Mais pour moi, le théâtre est le moment. Le théâtre existe au moment même où le public, les acteurs... se réunissent et dans la salle et ça ne fait plus qu'un. Ça, ce sont les moments de grâce, ce que j'appelle. Et à ces moments-là, bon, c'est ce qu'on... Et c'est le moment où tout d'un coup, l'auteur est là aussi, n'est-ce pas? Tout est là. C'est le croisement, le carrefour. C'est pour ça que je trouve que les comédiens méritent d'être bien soignés parce que c'est quand même eux qui sont au carrefour de ces forces qui viennent de la pièce et de la salle et aussi de la journée, des humeurs et de leurs propres humeurs. Et que très souvent, par exemple, on fait très attention aux sportifs, ce que je comprends très bien, aux chanteurs, aux danseurs. Et les comédiens, quand même, on pense que c'est beaucoup plus facile. Mais ce n'est pas facile du tout. C'est quand même, c'est des interprètes comme des musiciens, mais dont en plus, l'instrument est eux-mêmes, c'est-à-dire leur corps, leur voix, leur entité absolument, qui est en même temps
l'instrument et la personne qui conduit. Bon, je trouve qu'un musicien, déjà, s'il a un bon instrument, après, il reste simplement, bien sûr, le travail, l'inspiration et tout. Mais chez un comédien, il faut aussi que l'instrument soit en forme, soit propre, soit net, soit prêt. Et alors, c'est pour ça que quand on joue la comédie, on vit en biais. Parce qu'on ne pense qu'au soir. Et on passe toute la journée à vivre en biais, comme ça, en regardant de côté le soir qui arrive, pour se préparer à cette minute même d'être prêt à jouer. Maria Cazares, vous écouterez pendant des heures. Alors, parce qu'il y a tellement de formules en plus. Moi, j'adore les sentences. Enfin, j'adore qu'on résume une pensée comme ça avec une phrase, parce qu'on peut la prendre après, on vous la vole après. L'idée de la vie en biais, moi je vous la vole, moi, jusqu'à la fin de mes jours, je l'aurai, cette idée de la vie en biais. J'y penserai et je me dirai que regarder la vie en biais, c'est très très fort, ça résume énormément de choses. Alors, dans cette émission, on a toujours des intermèdes musicaux. Pour vous, nous avons voulu n'en avoir qu'un seul, mais pour bien qu'on se concentre aussi sur cet intermède musical, et on a demandé au derviche tourneur de venir. Alors, c'est un ensemble qui s'appelle l'ensemble Mevlana, qui va passer le 20 et le 21 au Centre Mandapa à Paris. Les derviches tourneurs illustrent la philosophie, la littérature soufie islamique. C'est une histoire, c'est le corps, c'est la comédie, c'est beaucoup de choses dont on vient de parler, Maria Cazares. Allez, voilà les derviches tourneurs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Demi Hazreti Mevlana, Sırrı Cenab-ı Şemsi Tebrizi, Kelebi İmam-ı Ali, Şefaat-ı Muhammed-i Nebi. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah-ı Hay. Allah-ı Hay, Allah-ı Hay, Allah-ı Hay, Allah-ı Hay, Allah-ı Hay, Allah-ı Hay.
يسر بير و On a du mal, enfin moi j'ai du mal à applaudir parce que c'est tellement impressionnant, hein, c'est ah oui, c'est formidable. Sans nos frères, ça, hein, c'est vraiment son, c'est tout ce dont on parlait tout à l'heure. Alors je rappelle, passe le 20 et le 21 au centre Mandapa. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Je pense que les gens qui vont regarder ça auront vraiment envie d'aller, les voir. Le succès. Le succès, c'est quelque chose dont vous vous méfiez, Maria Cazares. Vous n'aimez pas que les choses s'installent. Vous n'aimez pas, vous craignez plus que tout la sclérose. C'est vrai. C'est pas, j'aime bien, comme tout le monde, le succès. J'aime bien que ça marche. J'aime bien être aimé. Ah, je vous interromps, tiens, une seconde. Voilà, encore une autre chose. Oui. Vous avez un rapport totalement sain au monde. Ça, c'est une chose qui est complètement frappante. Totalement sain. Les gens, quand on parle de succès, généralement, 9 fois sur 10, ils prennent un air comme ça, en disant que ça n'a pas tellement d'importance, etc. Non. Vous vous dites, le succès, c'est agréable. Mais oui. Hein? C'est-à-dire que dans le parcours qu'on a, dans ce parcours qu'on fait, d'abord, c'est agréable parce que ça aide. On a besoin quand même d'être un petit peu... je trouve même qu'on, c'est pas du tout à cause du succès, mais souvent on oublie, comme je vous disais tout à l'heure, de je ne dis pas glorifier, mais non, et puis pousser l'acteur pour qu'il se sente aimé, pour arriver devant un public, il faut quand même se sentir quand même avec, aimé un peu. Bon, mais le succès, bien sûr, et puis en plus une fois que les choses marchent, que ça va bien. Voilà une chose de faite, une bonne chose de faite. J'aime aussi, parfois, enfin j'aime moins, mais je trouve ça très sain, l'insuccès. Je trouve que des moments où tout d'un coup, il y a de l'insuccès, ça remet les choses en place. Hein. Non, ce que je crains toujours, c'est vrai, et depuis très très jeune, ce que je toujours crains, c'est de m'escléroser dans ce que je fais, c'est-à-dire... De prendre sur moi une image qu'on aime et qu'on me redonne, comme on voit, et de d'y rester. Déjà, de l'imiter, c'est abominable. Là, c'est abominable. Ça m'est arrivé sans le vouloir à un moment où j'avais trop joué et tout d'un coup, je m'entendais, j'ai arrêté. Je n'avais pas un rond à ce moment-là. J'ai arrêté 4 mois de jouer, absolument. Parce que je ne pouvais pas. Puis bon, ça a été sauvé parce que on m'a donné une pièce où je pouvais mettre d'autres choses que je n'avais pas mis jusque-là. Mais là, c'est vrai, j'ai toujours peur de la sclérose et j'ai toujours cherché. Quand j'étais dans des grands théâtres, après aller dans des petits, quand j'étais dans un endroit à partir, même si j'y étais très bien, et surtout si j'y étais très bien, non, pour éviter de... Vous savez, dans la vie... Les gens ne voient pas dans une famille que l'autre prend des rides. Et au théâtre, c'est pareil. On ne voit pas tout d'un coup, si on aime quelqu'un et s'il est là tout le temps, qu'il prend des rides, des tics, des rides, des choses qui ne sont pas bien. Et j'ai toujours eu besoin de me remettre en question et d'aller ici et là pour me remettre en question. Alors c'est comme ça que, par exemple, vous avez eu un attachement très très fort pour Marcel Héran, au début de votre carrière, pour ce qu'il représentait. C'était un personnage merveilleux. Les gens dont vous parlez dans votre livre, d'ailleurs, tout d'un coup, ils sont nimbés d'une grâce qu'ils avaient, certainement, mais que vous nous transmettez. La grâce de Marcel Héran, il y a un portrait de Marcel Héran qui est absolument formidable. Vous l'aimiez profondément et pourtant vous êtes parti. Oui, je suis parti en pleurant. Lui aussi, il était très triste, mais il a compris tout de suite. Il m'a dit, tu as raison. Parce que dans ce théâtre où j'étais resté 3, c'était les... Bon, j'étais entré là pour avoir 20 ans, et puis je suis resté 3 saisons, 3 années. Et puis, bon, que ce soit les gens du théâtre, que ce soit le public qui venait, qui était souvent le même public, puisque c'était le public qui suivait tout le travail des rangs, comme ça.
Eh bien, j'étais finie, par être, ça finissait un petit peu par être enfant gâté, vous voyez. Alors là, j'ai commencé à me méfier. Là, je deviens méfiante. Qu'est-ce qui vous a apporté de plus fort, Marcel Herrand? Il m'a apporté d'abord, mais vraiment, c'était quelqu'un qui aimait tellement, que ce soit les pièces, que ce soit les comédiens à présenter. Il avait une espèce de joie profonde à présenter au mieux les gens. Les gens, enfin, qu'il aimait, et les comédiens qu'il aimait, et les pièces, et surtout les découvertes. Il aimait découvrir et présenter. Et on se sentait avec lui, mais vraiment présenté comme dans un écrin. C'était alors, vous aviez envie d'être, je ne sais pas, même quand on était épuisé, n'importe quoi, si Herrand était là, on avait envie de faire tout pour lui. Et là, c'était un aventurier de la vie aussi. Lui aussi. Ça, c'est quelque chose qui vous a beaucoup plu, vous qui aviez 20 ans, non? Il était dans tous les milieux, il y avait une espèce de pudeur incroyable. Énorme. Et tout l'intéressait, il connaissait tout, en fait. Il connaissait tout, il était dans tous les milieux, il avait une distance avec tout aussi. Il pouvait être terrible, parce que c'était quelqu'un de lucide et de dur comme ça. Et puis, il pouvait être vraiment transi. Voilà, absolument transi, quoi. Alors, c'était... Et puis, c'était quelqu'un de profond, quoi. Enfin, quand on voit les yeux, dans les Enfants du Paradis, par exemple, quand on voit le regard d'Errant, ses yeux, où on dirait que ce sont des gouffres. Quand il jouait en scène, et il avait un trac abominable, mais abominable. Alors, quand je le regardais en scène avec ses beaux yeux comme ça, mais c'était un gouffre, les yeux. On se disait, mon Dieu, mais il va tomber, ou moi je vais me foncer dedans et je vais plonger dans les yeux, c'est pas possible. Mais c'était quelqu'un de très, très rare, comme ça. Et puis très, très, très secret aussi. J'aime bien ça. Pourquoi est-ce que vous avez mis dans la version du livre que l'on trouve chez Fayard, enfin là, pas celle du livre de poche, moi j'ai le livre de poche et puis maintenant j'ai chez le Fayard, pourquoi est-ce que vous avez mis la photo de votre carte de résidente privilégiée avec tout le texte à côté qui est terrifiant, grotesque, amusant, enfin tout ce qu'on veut? Non, c'est pas terrifiant, c'est-à-dire que quand vous savez, c'est un sens quand même. Hein? J'ai dit oui à écrire le livre quand j'ai accepté. Tout d'un coup, on m'a envoyé le contrat. Fayard m'a envoyé le contrat et il y avait marqué comme titre mémoire. Alors là, j'ai téléphoné tout de suite en disant non, j'ai pas de mémoire, je peux pas écrire des mémoires. Il m'a dit, mais ça fait rien, on changera. Je dis, non, il faut changer tout de suite. L'histoire de la mémoire, ça me coupe tout. Et alors, il m'a dit, mais dites-nous n'importe quel titre. Et alors, comme j'avais une idée de ce que je voulais faire, et je vous dirai pourquoi après, j'ai dit, carte de séjour de résidente privilégiée. Bon, ils m'ont dit, c'est très long. Et alors, tout de suite, j'ai dit, non, résidente privilégiée. Et puis après, j'ai trouvé que c'était... Je n'ai pas voulu changer le titre du tout, parce que ça correspond exactement à ce que je voulais dire. Vous me disiez tout à l'heure que vous ne saviez pas si je trouvais que ma vie était belle ou pas. Belle, je ne sais pas. Mais j'ai toujours trouvé qu'elle était privilégiée. Et c'est pour ça que même dans les pires moments, même les pires choses, je trouve que les avatars, les métamorphoses viennent aussi par des choses terribles et qui font qu'on s'enrichit, qu'on va plus avant, qu'on parcourt plus loin. Et puis, je sais pas, j'ai eu l'impression toujours d'avoir des privilèges mystérieux, mais même dans les choses, je trouve que l'exil, c'est terrible, mais je trouve que pour moi, ça a été un privilège. Parce que ça m'a forcé à m'ouvrir ailleurs. Ensuite, le fait d'apprendre une langue, d'être obligé de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup en France pour... en fait, j'ai eu 5 ans, quoi, 4 ans ou 5 ans pour commencer à jouer. Et je ne savais pas un mot de français quand je suis arrivé. Alors, ça, j'ai fait les études en même temps. Mais en même temps, ça m'a obligé à un travail que si j'étais resté en Espagne avec ma langue... Je n'aurais pas fait comme les gens qui restent dans leur pays parce que
bon, ben c'est plus facile, on a sa langue. Tandis que moi, j'ai essayé d'apprendre un nouvel esprit, d'approcher un nouvel esprit qui m'était complètement étranger, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus étranger pour un Espagnol qu'un Français. Quand même pour un Français, un Espagnol. Ça, c'est le Pyrénées. Vraiment, hein. Les Pyrénées sont vraiment là. Et j'ai réussi vraiment, quand j'ai réussi, c'est à toucher comme ça, dans ce métier où il faut quand même une familiarité profonde, une intimité avec la langue. Et quand j'ai réussi, c'est à avoir l'impression de toucher l'esprit de la langue et l'esprit français, pour moi c'était le plus grand triomphe. Je n'en disais rien à personne, mais pour moi secrètement c'était vraiment une victoire. Alors qui dit privilège dit tentative révolutionnaire, donc je vais vous faire souffrir encore un petit peu. On va vous regarder encore, Maria Cazares. La Reine Verte. Mon amour. Mon amour. Je te tiens. Je te serre. Mon prince. Mon beau prince. Mon signe. Mon signe aimé. Je te serre dans mes bras. Plus fort. Encore plus fort. Chante. Chante. Tu es à moi. Je suis la vie. Comme il sourit, doux et tranquille. Bien joué. Bonsoir. Il est mort. Alors, c'était un extrait de La Reine Verte de Maurice Béchard. Alors là, vous avez regardé, Maria Cazares. Vous avez regardé. Oui, ça j'ai regardé. Hein? Ça j'ai pu regarder. C'est loin. Vous avez écrit, peut-être parce qu'il y avait Jean Babilet. Oui. Vous avez écrit aussi dans le livre quelque chose, je cite de mémoire, on joue mieux quand on est aimé. Eh oui, parce que... Ben, on est plus beau dans la vie quand on est aimé, non? Oui. On est quand même plus beau quand on est aimé, on devient très beau, là. Comme ça, et quand on aime et on est aimé, alors, raison de plus au théâtre où on est quand même... C'est quand même un endroit très cruel. C'est un lieu extrêmement cruel. Oui, vous avez cité en exergue d'un des chapitres une phrase d'Andersen qui est formidable. Mais le pauvre petit canet qui était sorti du dernier œuf fut, pour sa laideur, mordu non seulement par les canards, mais aussi par les poulets. Là, on retrouve le pélélé, hein, oui, ce mélange de... Vous avez été mordu par les poulets aussi? Oh, en tout cas, c'est bon d'être mordu. Ben, on est là pour ça. Mais c'est surtout avant d'être mordu. C'est quand on apparaît, quand on va vers. Il faut quand même être... C'est pour ça que peut-être que j'aime les choses sacralisées. Parce que ça donne, au théâtre en tout cas, ça donne un masque, le masque du sacré, quoi. Et qu'il soit... d'une manière ou d'une autre, ça ne veut pas dire que mais qu'il soit d'une manière ou d'une autre, mais ça met entre pour entrer en contact, ça met une espèce de voile entre le public et nous,
où les gens vendent le public pendant le, quand on se montre, ce qui est encore pire pendant les répétitions, et qu'on est à nu encore. Mais plus on est aimé, plus on peut donner. On peut donner parce qu'on se sent mieux, on se sent plus beau, dedans et dehors. Madame Cazares, on arrive presque à la fin de cette émission. Aujourd'hui, on avait 1h10. 1h10 avec vous, ça passe comme un éclair. Ah, c'est pas, j'étais plus... Ça passe à une vitesse folle. Et je vous propose, je voudrais vous montrer encore une autre image. D'accord. C'est pas une image de vous, vous pouvez vraiment la regarder. Ah, d'accord. Hein, c'est une image de la Charente. Puis après, je vous raconterai pourquoi. Regardez. D'accord. Le temps s'est arrêté aux portes du village. Sur les coteaux de Saint-Laurent de Belzago, les jardins endormis ont un air andalou. Branches de grenadiers par-dessus les enclos, aux porches arrondis des souvenirs mauresques. Voici le géranium et le pied de glycine et le figuier noueux tout au long des vieux murs qui penchent de partout dans les rues serpentines, flanquées de volets clos qui n'ont plus de couleur. Sur les hauteurs de Saint-Laurent de Belzago, le temps s'est arrêté aux portes de chez nous. Les jardins endormis ont un air andalou. Sur les hauteurs de Saint-Laurent de Belzago, on voit dans le lointain des trains qui se faufilent. Et aussi des camions, comme des mouches folles, et des autos pressées qui perdent la boussole dans les chemins nouveaux qui sentent le pétrole. Et puis vient le silence. Ami de l'écritoire, poète, j'aime à flâner sur ce haut promenoir, heureux de savourer mon petit coin de France. C'est la Charente en camaïeude de verdoyance, avec ce rien de brume aux frontières des choses, naïf comme un pinceau d'Antoinette Dumas. Le temps s'est arrêté aux portes de chez nous, les jardins endormis. Un héros de loup. Cette séquence a une histoire. Marcel Alberola Reich, qui a composé ce poème et à qui on doit le texte de ce court extrait, regarde l'émission tous les jours. Et il a été gravement malade et il nous a fait savoir que l'émission lui servait. Alors, nous avons voulu lui dire que nous en rendions compte et que ça nous faisait très plaisir. Et d'autant plus aujourd'hui, parce que la Charente, c'est quelque chose de très important pour vous, Maria Cazares. Et puis, c'est là où je me suis réenracinée, si on peut dire. C'est là où, depuis 1960, je vis quand je peux. Donc, sur les cartes de résidents privilégiés, j'ai noté qu'il fallait toujours donner son adresse. Alors, votre adresse, c'est en Charente. En Charente. Maria Cazares, on arrive quasiment à la fin de l'émission et ma jeune collaboratrice Lila, c'est tout à l'heure ce que vous aviez vu avec marqué le bar, oui. Ma jeune collaboratrice Lila va nous donner quelques nouvelles. D'accord. Bonjour. Tout d'abord deux livres. Maria Cazares a tourné son premier film avec Marcel Carnet. Il nous le rappelle dans son ouvrage de souvenirs, La vie à belles dents, publié aux éditions Bellefond. Philippe Durand nous raconte la vie de Gérard Philippe, un des partenaires de Maria Cazares, et c'est aux éditions Favre. Peut-être que Maria Cazares, comme de très nombreux comédiens, se mettra-t-elle au service du livre et de la lecture pendant ce week-end, qui sera consacré à la fureur de lire. Partout en France, pendant 2 jours et une nuit, le 21 et le 22 octobre, les comédiens liront des textes qu'ils aiment dans les théâtres et ailleurs. Renseignez-vous dans votre ville. Pour le programme complet, tapez sur Minitel le 3614 Tel Poste Fureur. À noter au mois d'octobre à Paris, un festival à partir du 25 au Cinéma Saint-Germain-des-Prés, un festival Jean Cocteau, cinéaste en copie neuve. Pour tous les films, chaque jour, 6 séances, entre autres La Belle et la Bête, Les Parents Terribles, Le Testament d'Orphée. 4 pièces de théâtre. Éclat de Catherine Anne au Théâtre de la Ville jusqu'au 28, La vengeance d'une femme de Barbet d'Aurevilly au Théâtre du Tourtour, La mort de Danton de Georges Bourtner au Théâtre des Amandiers à Nanterre jusqu'au 29, Don Juan de Molière à la Maison de la Culture de Bobigny jusqu'au 31. Des contes choisis par Curzi Ergumer et Pierre Magnès, le Mesnevi 150 contes soufis de Jalal al-Din Rumi chez Albin Michel.
objet du jour. Ce livre-objet est une création d'Ariane Lancel, Les quatre cavaliers de l'Apocalypse d'Ibanez Blasco, illustré par Carlos Aranjo. Voici un exemplaire d'une des lithos. Celle-ci est sur satin. Derrière moi, la couverture du livre. Carlos Aranjo expose à la galerie Fürstenberg, 6 rue Jacob, dans le 6e, jusqu'au 29. Nous nous quitterons sur la photo dont a été tirée l'affiche originale de la deuxième partie des Enfants du Paradis, extraite de la collection de Ciné-Images dans le 7e. Ma tenue est signée Roberto Fabrice, ma coiffure Sébastien Aubryl. Rendez-vous demain vendredi avec Jacques Dufilho. Je vous embrasse. Merci Lila, grâce à toi on n'a pas eu une photo, on a eu deux photos, puisqu'on a eu la photo effectivement des Enfants du Paradis qui était derrière toi, et puis la photo de ce film merveilleux qui sont Les Dames du Bois de Boulogne. Alors moi je voudrais simplement dire que Maria Cazares est aussi résidente privilégiée, mais c'est également notre privilège au Théâtre des Arts Héberto pour La vie que je t'ai donnée de Luigi Pirandello. Elle est entourée d'une distribution formidable. Vous avez retrouvé Monique Chaumette, vous avez retrouvé Jean Pommier, Yveline Ayot, Jean-Pierre Vaguet, Virginie Demian, Cédric Dumont, Catherine Rétoré, Suzelle Goffre et Louisa Maris. Tout ça, c'est ce monde du théâtre qui vous est si cher. Je voudrais juste vous poser une dernière question, Maria Cazares, pendant que se déroule le générique. Quand vous rêvez, est-ce que vous rêvez en français ou en espagnol? Je compte en espagnol, mais je rêve dans les deux langues. Ça dépend des gens de qui je rêve. Vous parlez du rêve dans la nuit. Quand je rêve de ma mère, parfois c'est en espagnol. Et quand je rêve d'autres gens, en français, mais... Les deux. Votre mère. Ah, ma chère, chère chérie, ma douce Meiga, ma fragile et forte compagne, rayonnante de toutes ces taches de rousseur dans le soleil du balcon de la rue de Vaugirard, où dès le printemps nous passions, nus, notre temps libre. Son visage, dont je triturais de mes doigts et de mes baisers de nourrice, les joues que le rire faisait gonfler en petits globes de chaque côté du nez, rond au bout, comme celui des nourrissons. Sa démarche sur les trottoirs des rues, qu'elle semblait survoler, lourde de chair et de lumière, son dos fin et robuste à la fois, courbé sur le parquet qu'elle frottait à quatre pattes, en hâte, sa robe de crêpe noire retroussée, la cape de zibeline à sa portée, prête déjà pour la sortie du soir. Merci Maria Cazares, à bientôt j'espère vraiment que vous reviendrez.